Allez, c'est parti pour la troisième séquence de 10 minutes. On a perdu Marceau, mais j'ai toujours Martin et Gabriel à mes côtés. Alors, cette dernière séquence de 10 minutes sera un peu plus cardiovasculaire. Pour ceux qui ne peuvent pas être debout, je montrerai à chaque fois des exercices assis. Et peut-être qu'entre deux, vous prenez votre bouteille d'eau, là, qui est derrière moi, vous la prenez. On travaillera un peu les bras et on travaillera sur les jambes assis pendant la séquence cardio. Allez, c'est parti! Marche, monte les genoux, vous trottinez. Le mouvement, ça sera droite, gauche, droite, gauche. On reste au milieu, on fait un pas sur la droite, on serre, gauche, on vient. Droite, on vient. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous prenez la bouteille, assis, et on va faire un travail de biceps. Un mouvement, c'est pas ça les garçons, c'est j'écarte. Je reviens, j'écarte, je reviens. Je vais me mettre un peu plus sur l'arrière, voilà. Je reviens. Et je marche. Alors, ceux qui peuvent, vous pouvez trottiner sur place. Voilà. Ou aller un petit peu plus vite en ayant toujours un pied au sol. Ou être assis sur la chaise et faire des montées de genoux. Ça va? On va faire des fentes arrière. Fente arrière, et je reviens, je reviens. Si je ne peux pas, je suis assis sur la chaise, je tends une jambe droite, je redescends. Tends jambe gauche, je redescends. Okay? On s'équilibre bien, les jambes écartées de la largeur du bassin. On vient mettre les mains pour s'équilibrer. Inspire et on souffle. On respire bien, ça va? Et on marche, on monte bien les genoux. On marche, 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 ça va? Pareil, on va faire une fente avant et on va revenir. Alors, fente avant, la jambe avance. Je ne vais pas partir vers l'avant, le mouvement c'est haut en bas et je reviens. J'avance la jambe, c'est le genou de la jambe arrière qui se plie et qui revient. On avance, c'est le genou de la jambe arrière. Si je suis assise, je refais l'exercice de tendre une jambe et de plier. On alterne droite, gauche, avec le dos toujours bien droit. Allez. On inspire bien, on souffle. Et je marche. Les genoux. On va faire un coup de genou opposé, mais on va rester sur la jambe droite, main gauche. Voilà, on va écarter. Pour l'instant, vous marchez et vous trottinez. Hein. Allez, hop. Alors, si je peux, j'accélère. Ok? Si je peux pas, je fais à mon rythme. J'inspire, je souffle, je tends bien le bras. C'est la main cette fois-ci qui va venir toucher le genou. Si je suis assise, je fais la même chose. On souffle bien. Allez, on tient. Et je marche. On monte les genoux. Allez, vous montez les genoux. C'est la dernière série. Enfin, la dernière séance, pardon, de 10 minutes. On monte bien les genoux. On serre la taille. Le dos est toujours bien droit. Je regarde vers l'avant. Allez. On fait l'autre jambe. Allez, c'est parti, l'autre jambe. Tu montes, Martin? Montez de genoux. Là. On monte, inspire, monte, inspire. Voilà. Alors, vous pouvez très bien accélérer le mouvement. C'est pas grave. Écarte un peu les jambes. Écarte, tu montes, voilà. Allez, bien. Ça va? Et on marche. Allez, il reste à peu près 6 minutes. Allez, on monte. Monte les genoux. Allez, montez bien les genoux. Alors, on peut aussi faire genre je suis tranquille. Ou alors vraiment vouloir bien travailler. Ça va? Talons fesses. Tac, tac,
dis, je fais la même chose, je suis sur le bord de la chaise, je fais mes talons fesses. Là, là, là. Chacun s'engage dans la séance en fonction de ses capacités. Tu vas reculer. Hop, 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 on n'est pas trop synchro. Hein. Hop, voilà, c'est bon. Hop. Ça va? On respire bien et on marche. T'aimes bien cet exercice? Ouais. Est-ce que vous avez un exercice à nous faire faire? Alors, ouais. Hein? Vas-y. Alors, on va faire les bras en l'air. On va écarter la jambe gauche. On va venir fléchir. On tend, on écarte les bras, on écarte la jambe, on fléchit. On écarte la jambe sur le côté, on fléchit. En fait, c'est squat fessier en gros. Là. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si je suis assise, je tends, je plie. Je tends, je plie. Inspire, souffle. Inspire, souffle et je marche. Allez, on marche. Allez, on s'engage bien dans la séance, on reste bien droit, on fait les bras, on monte les genoux. Alors, on prend appui sur la chaise et là, on va faire un mouvement de arrière oblique. Arrière oblique. Arrière oblique, on travaille les fessiers. Sur l'arrière, regardez garçons, là. Là. En fait, c'est en arrière, mais sur le côté, regardez. Voilà. Le ventre est bien serré. Allez, on tient sur l'arrière. Excuse-moi. Là. Là. C'est dur, Gabriel. Allez, on tient. Et on marche. Allez, on monte les genoux. Allez. Non, pas vous, vous vous trottinez, là. Allez, voilà. On monte les genoux. On fait aller les bras. On serre bien la taille. Vous vous redressez, c'est important. Du coup, on fait l'autre jambe, oblique arrière, là. Toujours, je suis bien fixe. Hein. Voilà. N'oubliez pas hein, que pendant cette séance de 30 secondes, si je suis assise et que je ne peux pas me lever, je peux utiliser la bouteille écart, ferme, en ouvre, on ferme. J'aurais peut-être dû le dire avant. Mais gardez la bouteille à côté de vous et faites des exercices avec les bras et la bouteille si l'exercice qui est devant ne vous correspond pas. Allez, on marche. Il reste 2 minutes. Allez. T'es essoufflé, ben c'est bien. Il faut être un peu essoufflé pour travailler son système cardiovasculaire. Allez, on va retravailler un peu sur la taille. Fléchis, bascule du bassin, on va descendre sur le côté. Allez, hop. Regardez, mon bassin ne bouge pas, Martin. C'est pas les bras qui bougent, c'est le buste qui descend. Voilà. Inspire et on souffle. Inspire et on souffle. Et là, en fait, on vient bien faire sa rétroversion du bassin. On rentre bien le ventre et on va venir sur le côté. Ok. On reste pas le long. On décale un petit peu les bras le long du corps et on marche. Ça va? Non, non, il ne reste pas 5 minutes. Il reste une minute. Alors, vous choisissez quel exercice? Vas-y, montre. Allez, on va pousser devant, pousser en haut. Pousser devant, pousser en haut. Exercice de Martha. Devant, oh, si tu veux. En haut, devant, en bas. En haut, devant, en bas. Ça va? Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire aussi assis. Hein. Alors, si c'est dur de lever les bras, vous restez devant et en bas. D'accord? Et on relâche, on marche. Les dernières 30 secondes. Allez, montez les genoux. On monte, on monte, on monte, on monte. On serre la taille. N'oubliez pas de bien vous tenir quand vous êtes assis sur une chaise à longueur de journée. On se décale un petit peu. Je vais fermer la musique.
On se décale un petit peu sur le dos de la chaise, on se tient droit et on essaye de bien gainer au niveau de la taille. Okay. N'hésitez pas à compléter les séances avec les séances des collègues de Décapulse ainsi que des collègues de l'AGAD sur la chaîne AGAD Fit and Form. Voilà, bonne journée sportive à tous et essayez d'être le plus actif possible malgré cette situation. On a un petit show de Gabriel là, en direct et de Martin. On peut les applaudir tous les deux. Merci les garçons. Bien, bien. Et merci Marceau aussi. Tu viens faire un petit coucou? Bah. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Bah.